Boser karşı karşıya. Boser vurdu, 2 oldu. Albenacer, il a été formé au centre de formation, alors on est content qu'il soit joueur maintenant. Eh ben c'est bien parce qu'il apporte quand même son expérience, il encadre bien les jeunes, je trouve que c'est pas mal. Il est peut-être un peu lent, il a peut-être un peu de mal à se retourner, enfin bon, il compense avec l'expérience, non, c'est bien, pour encadrer les jeunes. Bonjour, c'est Michael Chrétien Basser, ancien international marocain. Aujourd'hui on est à Nancy, dans ma ville natale, venez avec moi, je vais vous faire visiter. Moi c'est plutôt tranquille, j'aime bien me faire un petit ciné. C'est vrai que je passe énormément de temps au cinéma, sinon c'est souvent à la maison en famille. Après, je profite au maximum de la famille et voilà, je suis pas trop du genre à aller me balader ou... Non, c'est plus basé sur le repos, on n'est plus trop jeune maintenant. Je pense qu'après le foot, je vais rester dans le sport quand même. Après, je ne sais pas exactement dans quoi, mais ça sera dans le sport. Bah, c'est une grande fierté, hein. Ça c'est sûr, c'est une grande fierté. Et voilà, après les regrets, c'est de ne pas avoir gagné une coupe. Ça c'est un regret, surtout qu'il y avait une belle génération, il y avait de quoi faire. Malheureusement, ça a été gâché. J'ai eu la chance de faire 2 cannes, mais bon. On n'a pas été très loin, donc ouais, ça c'est un peu le côté mitigé des choses. Bah forcément, on espère toujours la même chose, gagner des titres, c'est la chose la plus importante. Ça fait longtemps que l'équipe n'a rien gagné, et quand on voit la qualité qu'il y a, le potentiel, chaque année il y a des nouvelles révélations. Des joueurs marocains maintenant qui évoluent dans des grands clubs et c'est dommage, c'est du gâchis. Bah, c'est toujours des très bonnes relations, ça c'est clair. Hein. Et, bah, avec Belanda par exemple, avec El Kaoutari, Hermash, El Arabi, Houssine Karanja, il y a tout le monde. On a gardé contact, hein, ça c'est clair. Après, il y a la distance, mais on se voit moins qu'avant. Mais c'est toujours mes potes, hein, ça c'est sûr. Mickey, c'est quelqu'un de discret, simple, humble dans la vie. Mais à côté de ça, sur le terrain, c'est quelqu'un de très efficace. Qui, je pense, aurait même pu viser, à mon avis, des clubs encore plus huppés. Il a fait une belle carrière, elle n'est pas terminée d'ailleurs, mais moi, ce qui m'a toujours marqué dans son jeu, c'était son intelligence et sa simplicité dans tout ce qu'il faisait. Quand j'étais dans les équipes de jeunes au centre de formation, c'est pareil, un gros bosseur,
quelqu'un de capable de courir énormément, donc très très généreux dans les efforts, et puis pas maladroit avec les pieds, hein, comme son but contre le Havre l'avait démontré. C'est vraiment une révélation énorme cette année, pour nous en tout cas. On est à la maison ici, hein. C'est vrai que les conditions de travail et puis le fait de connaître tout le monde, c'est plus facile pour jouer et pour être performant. C'est vrai que je suis parti 3 ans en Turquie, c'était une bonne expérience, mais je suis content de revenir ici et de pouvoir travailler et puis d'être aussi avec mes potes, parce que j'ai retrouvé tous mes potes que j'avais quittés quand j'étais parti, et c'est toujours mieux. Et voilà, aujourd'hui je reprolonge de 2 ans, donc je suis content. Ah, oh, elle est bonne, Joe. Elle est bonne. Bah, c'est encore mieux. Je lui dis ça, pas de problème. Dis, sinon, elle monte dans sa voiture, il la garde. Ça, c'est la veste en cuir, ça. C'est la veste cuir. Comme Bah déjà, à Nancy, j'aime beaucoup aller chez moi, dans mon restaurant, si vous avez pu aller, au 600. Sinon, je suis souvent en Kinépolis. Et sinon, moi, je suis plutôt casanier, j'aime bien rester à la maison et tranquille, en famille. J'évite de sortir. Généralement, quand on a entraînement le matin, y a entraînement, après je rentre, je mange, je fais une petite sieste. Et puis après, soit je vais dans la famille, ou soit si j'ai des trucs à faire, je les fais. Ou un petit tour en ville. Et puis un ciné le soir, j'aime bien aller au ciné les soirs. Hein. Avec des potes, c'est toujours bien. Bah, en fait, ma mère, elle est française. Et mon père marocain, et j'ai grandi avec ma mère. C'est pour ça que c'est chrétien, c'est le nom de ma mère, et Basser, c'est le nom de mon père. Et j'ai les deux noms, en fait, c'est tout simplement pour ça. Voilà. Oui. J'y vais souvent. Et quand j'étais petit, j'allais plus du côté de Casablanca dans la famille. Oui, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'y allais quand j'étais petit à Casa. Et du coup, je me souviens juste que c'était ma famille avait un garage, en fait. Mon grand-père, il avait un garage, et moi, j'étais tout le temps dans le garage, dans la maison, et je sortais pas trop dehors. Donc je connais pas trop les quartiers. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, puis depuis, ça s'est bien développé. Et sinon, quand j'y vais, c'est souvent à Marrakech, en fait. Souvent à Marrakech en famille. Et d'ailleurs, j'envisage de m'installer là-bas, je pense, après ma carrière. Moi, je me suis dit ça, j'ai vu qu'il y avait de la place là-bas.
Ouais, bah là, je suis avec les frères marocains, c'est sûr que c'est plus facile pour moi. En plus, il y a beaucoup de joueurs du Maroc qui sont venus dans le club de Nancy, donc je suis bien entouré ici avec ces joueurs qui ont eu une grande carrière. C'est vrai que depuis plus jeune, j'aime bien Manchester United et c'est vrai que j'aimerais bien jouer dans ce club parce que c'est un club qui a une très grande, qui a eu de très grands joueurs et qui ont gagné beaucoup de titres. Donc c'est un club qui fait rêver. Ah, bah avec la famille et tout, c'est vrai que ça fait un peu longtemps que je ne suis pas allé parce que j'ai passé le bac, j'ai eu le foot et tout, donc ça a été compliqué, mais c'est vrai que j'ai de très bons souvenirs là-bas et j'espère y retourner rapidement. Bah ça ils ont chacun leur avis, voilà, mais c'est compliqué de répondre à cette question parce que chacun choisit de jouer où ils veulent. Pas vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Quel est ton idol de joueur marocain ? Mon idol ? Attention à ce que tu vas dire, frérot. Attention. Oh là là. C'est une menace. C'est une menace, Yus. C'est pas Yus, c'est sûr. Voilà. C'est pas Yus. Non plus. Ah, c'est Mustapha, le frérot. Le frérot. Lui, il est meilleur que lui, hein, je vous le dis. Large. Je m'en meilleur que lui. Oh, c'est dans l'arnaque. T'es en train de draguer le sélectionneur adjoint, c'est ça? Non. Ah, bien vu, j'avais pas pensé pourtant, mais non, il a fait de très grandes choses. Mike, toi, tu peux pas dire non à ça, Mike. Ouais, s'il te plaît. Vous suivez le Botola du Maroc, l'été? Je suis un peu, voilà. Mon équipe préférée, c'est Raja Casablanca. Pourquoi? Ah, depuis tout petit déjà, je suivais et tout. Mon père est pour Raja. Il n'y a que mon frère, il est parti pour l'UDED. C'est un traître. Mais sinon, on aime bien Raja et c'est la meilleure équipe du Maroc pour moi, Raja. Ronaldo. Ronaldo. Real. Real. Couscous. Couscous. Mustapha Hadji. Mustapha Hadji, forcément. Raja. Quoi ça? Raja. Ah, club de cœur, Raja. Raja, ça c'est le choix de cœur, parce que c'est ma famille qui supporte le Raja. Et sinon, j'ai, de temps en temps, j'ai encouragé le Wydad, on va dire, parce que j'avais des amis comme Jamel Alioui qui jouaient au Wydad. Ça, c'était le grand et le petit, c'était... Ouais, voilà, si vous voulez tout savoir sur moi, suivez-moi sur le 360.ma. 360.